Nach der Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform stehen in Frankreich neue Streiks und Proteste bevor. Die Behörden erwarten an diesem Donnerstag, Medienberichten zufolge, bis zu 800.000 Demonstranten landesweit. Rund 12.000 Polizisten sollen im Einsatz sein. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Die Reform zur schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre war am Montagabend verabschiedet worden. Schon seit Anfang des Jahres wird gegen die Reform gestreikt und protestiert. Je pense qu'il faut qu'il y ait un chemin qui soit maintenant trouvé et qu'on se remette autour de la table. On ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, à l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Streiks bei der Müllabfuhr, im Verkehrssektor und bei den Öldepots halten teils bereits seit Wochen an. Zwei Misstrauensvoten gegen die Regierung waren am Montag gescheitert. La meilleure façon du blé, c'est encore la nôtre, c'est ramasser les pavés. Mit der Reform will die Regierung eine drohende Lücke in der Rentenkasse schließen.